Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wandugwa Penzi Wana Inchi Ote Nawa Salimi Yanini Ote Banabetu Basuwe Moyoemo Bonso Bampangi Yamundu Yaluzoro Bampangi Ya Vincent Mbotenabeno Bonso Ana Lengo Moyanyo Che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Chers compatriotes, contrairement aux vidéos diffusées ou publiées sur les réseaux sociaux par les anti-cancers, c'est-à-dire les nouveaux combattants de l'ère Tshibili, comme le dirait Fabien Kosoanika. Alors, en ce moment, je vous informe que le cancer a bel et bien lieu et les images ne sont pas très convenables, mais bon, on peut quand même voir que le concert a lieu. Et au moment où on a pris cette vidéo, il y avait déjà plus de 1000 spectateurs congolais comme français de souche confondus. Voilà, chers compatriotes, pour l'information. Et cela pourrait s'avérer comme une victoire des partisans de Félix Tshisekedi, que les autres appellent des talibans ou des fanatiques outrés, mais ça pourrait aussi être un signal selon lequel l'ère nouvelle a commencé, du fait que Félix Tshisekedi, puisque c'est lui qui est président, il a commencé à déboulonner pour de vrai le système Kabila. Vous voyez, la RDC est en train de suivre les pas de l'Angola. En voilà un qui n'a pas supporté d'être auditionné aujourd'hui par l'auditorat militaire. Il se serait suicidé. Donc, le chef d'état-major adjoint, comment s'appelait-il encore, Delphin Kayimbi, il est considéré comme un inconditionnel de Joseph Kabila, un serviteur de Paul Kagame. Il était sous sanction des États-Unis, également les sanctions de l'Union européenne. Voilà, nous espérons que les prochains à être interpellés ne vont pas faire la même chose. D'ailleurs, on n'est pas sûr si Delphin Kayimbi s'est réellement suicidé ou si on l'a conseillé de se suicider. Ça ressemble à un meurtre. Bon, mais ça, c'est mon point de vue. Ça ressemble à un meurtre. On l'aurait empêché de faire des révélations. Bah, il avait déjà commencé à faire des révélations, selon des rumeurs, et il avait promis de coopérer. Voilà, chers compatriotes. Voilà. Donc, le système Fachivit a gagné, on ne peut pas dire le système Tshibili, parce que ces combattants, ils sont contre la présence de Joseph Kabila, et puis ils crient tout haut qu'il y a 12 millions de morts.
qui sont passés sous silence, ce n'est pas possible. Maintenant qu'il y a eu Félix Tshisekedi, il faut qu'on arrête Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il fait là? Il faut qu'il parte, qu'il quitte le pays. Il y a des rumeurs selon lesquelles les Américains font pression sur Joseph Kabila pour qu'il quitte le Congo, parce que tant qu'il est là, il fait ombrage à Félix Tshisekedi, avec qui ils se sont convenus, je ne sais pas quoi, mais apparemment, ce qu'on voit sur le terrain, c'est comme si ce n'est pas en train de prendre. Félix Tshisekedi est en train, doucement mais sûrement, de s'éloigner de Joseph Kabila. Comme quoi, je conseille aux combattants de prendre le mal en patience. Bon, ils ont raison de contester, mais les musiciens, bon, ils peuvent quand même jouer leur concert. L'époque Kabila appartient maintenant au passé. Voilà, regardez la petite vidéo, chers compatriotes. Regardez les combos à l'intérieur de Père de Pali, Poupa, bel et bien lieu. Regardez, je veux savoir si vous savez faire un truc avec moi.
va passer à ma congolais à Brazzaville. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça se passe à Paris, donc à Bercy. Et la salle, une très grande salle, elle est archi comble. Je ne sais pas combien ils peuvent être, peut-être au-delà de 5000, peut-être. Bon, voilà, c'est un échec de ceux qui ont voulu faire échouer cet événement. Voilà. Et je pense que c'est le commencement. Le commencement de l'acceptation par des Congolais de la diaspora de la musique. Oui, nous savons très bien qu'il y a des tueries à Beni, mais ce n'est pas tellement à dramatiser comme le dramatisent les combattants. La tendance est à la baisse et il faut souligner que la Kabylie est en déclin avec ses faux ADF Nalou. Et justement, avec cet événement du suicide du général Kaïmbi, c'est lui qui était à la tête de beaucoup de milices, des ADF, des faux ADF qui entretenaient tout cela. Et voilà, on peut déjà penser que il y aura une diminution de tous ces morts à l'Est. Voilà, chers compatriotes, la vie continue et vous pourrez voir les images du concert chez nos autres compatriotes youtubeurs. Voilà, nous nous arrêtons par là. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutikala Malamu, Benobi Kalambote, Wandugwa Penzi, Tuna Maliza, Tutaonana, Kesho. Pampang ya mono ya luzoro. Benu bikalambote. Betu tamalana. Mbasi. Bala betu basuibe. Shala ibib. Nitu muna. Chikondo chikwabu ku video. Mukwabu. Ana lingo amboshila.